travaille dans la prestation médicale depuis une dizaine d'années chez un concurrent et pour différentes raisons, on a décidé de monter une boîte de prestation médicale. Donc on a décidé de s'installer à Aurillac, voilà, et plus particulièrement à la zone d'Esban où on a acheté un terrain de 3000 m² pour construire un bâtiment dédié à la prestation de services et vraiment on voulait faire quelque chose de très professionnel avec l'accueil des professionnels de santé, avec une salle de formation, un showroom avec un appartement thérapeutique et une salle de désinfection du circuit de marche en avant du matériel. Donc la société en fait s'est créée donc en novembre dernier et donc en fait on est quatre associés sur la société, donc on est trois co-gérants, donc il y a Pierre ici présent, moi-même et Olivier qui n'a pas pu être là. Et on a un associé qui est pharmacien d'officine à Neuve-Église qui s'appelle Fabrice Mathieu. Le métier, on l'aime, on le connaissait déjà et on voulait vraiment s'implanter d'une manière locale sur Aurillac et puis travailler avec les professionnels de santé. Les projets, ça sera surtout sur la désinfection du matériel. Ce qu'abordait un peu Pierre dans la première partie, c'est vraiment quelque chose de très important dans la prestation et qu'on ne voit pas forcément quand on va au domicile des patients, mais c'est un gage de qualité auprès de nos acteurs et des professionnels de santé. La société s'appelle Univers Santé, donc avec le vert AIR de l'air et notre logo sont les membres du Cantal, donc voilà, c'est une identité forte régionalement. Mais on a acheté le terrain en fait avec la CEBA 15, donc qui est une entité de la CABA, du comité d'agglomération du bassin d'Aurillac. Et l'acteur majeur là, par rapport à DZ, c'est vraiment la CCI d'Aurillac. On avait vraiment travaillé avec eux d'entrée de jeu. On avait un peu commencé le projet, mais on avait bénéficié de la formation 5 jours pour entreprendre à la CCI d'Aurillac, ce qui nous a permis vraiment de connaître un peu tous les intervenants du milieu.